Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est merveilleux. Amen. Il est tellement fort, il est tellement puissant. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui marche dans mon esprit ces derniers temps. Amen. Hein? Il y a trois choses qui marchent avec moi. Un, Dieu ne peut pas te tromper. Amen. La deuxième chose, Dieu ne peut jamais t'abandonner. La troisième chose, Dieu ne peut jamais te délaisser. Devons marcher avec ce principe, bien-aimé. Amen. L'homme peut te tromper, mais Dieu jamais. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu jamais. L'homme peut te laisser, mais Dieu jamais. Là où l'homme se limite, là où Dieu commence. Là où toi tu ne peux jamais, Dieu commence à faire des choses. Qu'on acclame très fort pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons prier pour la parole parce que l'heure est arrivée. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le yeux fermé. Élevez les deux mains encore une fois. À laquelle Dieu va passer entre les mains de Dieu, que le Seigneur l'utilise puissamment. Prions. Prions, bien-aimés. Prions. Élevez ta voix, priez. Seigneur, je donne mon cœur à toi, Seigneur. Et je remets, Seigneur, ton serviteur contre ton main. Je le remets à toi, Seigneur. Utilise-le puissamment. Utilise-le, Seigneur, puissamment. Passe par lui, mon Dieu, pour que la vie des gens soit restaurée. Passe par lui, Seigneur, pour que le surnaturel s'opère. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le roi des rois. Maître de la vie éternelle. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis seulement merci. Merci pour ce matin que tu nous as donné de s'approcher encore de toi, Père éternel. Personne est venu devant toi dans sa situation. Il est rentré le même. Toute personne qui t'a raconté, Seigneur, tu
a changé son histoire. Ce matin, je remets, Seigneur, ton serviteur entre tes saintes mains. Seigneur, oins sa vie. Yahweh, oins sa bouche. Seigneur, passe par lui pour changer la vie d'une seule personne. Seigneur, passe par lui pour que l'histoire de quelqu'un change pour la gloire de ton nom. Loin de nous tout ce qui ne confesse jamais ton nom. Loin de nous penser tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous être, Seigneur, par rapport à toute pensée négative, je les repousse loin au nom de Jésus. Et toute pensée captive, je les ramène à l'obéissance de ta parole. Seul Christ soit élevé en ce lieu. Seul ton nom soit élevé, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Restons toujours debout parce que nous voulons recevoir le papa de la maison. Amen. 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 Oh, donne-moi une main, bien-aimé. Amen. On dirait que vous n'êtes pas content, mais comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sait très bien là où on est, nous tous, c'est Dieu a donné la direction de cette église à quelqu'un. Hein? Hein? Amen. Ça, nous devons être toujours reconnaissants à ça. Alléluia. Amen. Dieu a donné la direction à quelqu'un. Amen. Amen. La personne était partie à Kinshasa pour faire encore une mission. Gloire soit à l'Éternel. Son Dieu l'a protégé, il l'a ramené avec tranquillité, avec douceur, avec la paix. Aujourd'hui encore ce matin, il est là au milieu de nous. Pendant que j'appelle le papa, le pasteur Cosson, que toute l'ensemble, qu'on acclame très fort le Seigneur. Là où vous avez acclamé pour un homme, j'aimerais que nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es parti avec nous à Kinshasa, Père, et tu es revenu avec nous avec joie et bonté, Seigneur. Tu es le Dieu qui protège le départ et l'arrivée de tes enfants. Et ma joie est grande ce matin de pouvoir encore revoir ma famille chrétienne. Personne ne m'a appelé pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Cela témoigne que tu nous aimes et tu nous as protégés, Seigneur. Père, ces moments entre tes mains. Je ne suis qu'un simple canal, un simple instrument que tu passeras ce matin pour nous parler. Je me lève et je m'oppose à tout plein du diable, à tout ce qui ne vient pas de toi en ce moment. Je le déclare tous en bloc, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, parlez contre de ces moments. Merci pour ce temps, mes frères, que nous allons passer encore devant ta face. Sois élevé, Jésus-Christ, en ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Acclamons Dieu. Prenons place. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est comme si tu ne reçois pas ce que je dis. Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, ça fait, je crois, 2 semaines et demie. On était parti à Kinshasa depuis le 19 avril et nous sommes revenus le 3 mai, justement pour la mission que Dieu avait mis dans mon cœur, ou encore il continue à mettre dans mon cœur, de pouvoir toujours soutenir la vision de notre papa, l'apôtre Alpha Lushima, qui est depuis à Kinshasa, que je salue. Et j'aimerais dire gloire à Dieu et merci à tous ceux qui ont participé, qui ont contribué, qui nous ont soutenus pour que nous allions et pour que aussi nous revenions. J'aimerais vous dire merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse tous. Et aussi merci aux serviteurs qui ont travaillé durant mon absence. Je sais que l'œuvre de Dieu n'est pas facile et ils ont pris ma place, ils ont joué leur rôle. Je dis papa Didier, apôtre Michel, que Dieu vous bénisse. Je suis à toute l'équipe, musique, protocole, maman, les uns pour la finance et tous, vous tous, parce que sans vous, ils ne pouvaient jamais travailler. Et votre présence a fait en sorte qu'ils travaillent dans cette sérénité et aussi dans cette joie. Que Dieu vous bénisse tous encore. Que Dieu n'oublie jamais vos bienfaits pour cette église et aussi pour ma personne.
Et salut aussi pour ceux peut-être qui sont venus après moi, les nouveaux venus, qui m'ont jamais vu peut-être, disent c'est qui encore cet homme-là. Je suis le pasteur Constant Ifuanga Esoui, le représentant de l'Église de France. Et nous sommes une communauté, une grande communauté, là où on est parti à Kinshasa, dans l'église mère à Kinshasa, en Chili. Pour ceux qui ont suivi, donc, la mission était que le culte là-bas, ou tous les événements qui vont se passer là-bas à Kinshasa, puissent être aussi diffusés sur les réseaux sociaux et aussi sur notre chaîne EPV TV. Alors ce matin, j'étais au bureau, je suivais les cultes en direct. J'ai dit gloire à Dieu, ma mission a été accomplie. Ce n'était pas évident, mais on a travaillé durement. J'ai formé aussi une équipe là-bas sur place. Et je salue toute l'équipe EPV Kinshasa qui nous suit actuellement. Que mon Dieu vous bénisse, continuez à faire cette œuvre-là. Que nous tous, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Et nous avons une communication permanente avec eux sur notre chaîne EPV TV. Donc voilà un peu la mission que nous sommes partis faire là-bas. Tout était bien passé. Et le papa et toute l'église vous disent merci de soutenir cette vision et aussi ils vous saluent tous. Et je suis allé aussi prêcher dans une église à Matete. Pasteur Dany, je crois qu'il me suit là où il est, il me suit avec sa famille aussi. Papa, merci pour l'accueil et aussi que Dieu vous bénisse. Ils m'ont dit aussi de vous dire aussi qu'ils vous aiment aussi. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais partager un thème avec vous. L'apôtre Michel il a déjà dit quelque chose que j'allais dire en dessous. J'ai dit waouh, les principes de Dieu et autres. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, le thème de ce matin, ton comportement vis-à-vis de Dieu peut déclencher la bénédiction ou la malédiction. Je répète, ton comportement vis-à-vis de Dieu peut déclencher la bénédiction ou la malédiction. Si on peut nous écrire sur les écrans, ça va aider nos bien-aimés qui sont en train d'écrire. Ton comportement vis-à-vis de Dieu peut déclencher la bénédiction ou la malédiction. Je salue aussi vous qui nous suivez sur notre chaîne IPV TV, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je suis dans la joie parce que j'ai quitté là où il fait très chaud. Il fait très chaud au pays là-bas. Avec la conduite de nos chauffeurs là-bas, Kinshasa, c'est compliqué. Mais là, je me sens vraiment dans la paix, on se croit dans un autre monde, quoi. Là-bas, c'est compliqué. Il faut être fou pour conduire là-bas. Mais moi, je me suis mis dans ces fous-là, j'ai conduit aussi. Là-bas, on me dit, mais comment est-ce que tu conduis ici? J'ai dit, mais papa, les élèves, ils peuvent vous dire, là-bas, c'est des fous. Ils montent sur les trottoirs, ils montent partout. Ils prennent tous les sens, quoi. C'est compliqué là-bas. On se croyait 1942, hein? Il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a des lois, mais ils ne respectent même pas les lois. Nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 1er. Alléluia. Moi, je suis comme ça, j'aime bien rigoler. Même. Ça fait du bien. Genèse 49, le verset 1er au verset 28. Genèse 49, le verset. J'aime bien lire. Donc, on va lire un long texte. Parce que des fois, nous lisons tout petit peu et nous ignorons d'autres détails des fois. J'aimerais faire lire à chaque fois à l'église plusieurs textes et versets parce que vous avez aussi cette habitude de ne pas se fatiguer quand on lit la Bible. Alléluia. Pour le respect de la parole, si on peut se mettre debout, gloire à Dieu, on a déjà cette habitude. Nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 1er jusqu'au verset 28. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et le premier, c'est de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciambule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Juda, tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion.
Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre les pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte de mer, il sera sur la côte des navires et sa limite s'éteindra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et il les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira le mets délicat des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Le blanc s'élève au-dessus de la muraille. Ils ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira dans des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de mamelle et du sein maternel. Les bénédictions de ton père se lèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père. Et en les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Prenons place, merci. Alléluia. Je crois que nous avons lu un long texte, bien-aimé. Mon thème, c'est ton comportement vis-à-vis de Dieu peut déclencher la bénédiction ou la malédiction. Si vous faites un petit recul dans Genèse 48, vous allez voir là-bas aussi, avant que Jacob bénisse d'abord ses propres fils, les 12, il avait déjà commencé à bénir les deux enfants de Joseph qui étaient Manassé et Éphraïm. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si tu dors, tu es suspect aujourd'hui. Si tu dors, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'on a mis, en plus, on a mis la clim, il fait beau ici. Il fait très beau. Donc, Joseph ou Jacob a commencé d'abord à bénir ses deux fils. Donc, les deux fils de son fils Joseph, qui étaient Manassé et Éphraïm. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et par la suite, lorsqu'il a béni, comme si vous lisez 48, vous allez voir que Jacob était presque en fin de vie, presque prêt de mourir. Et lorsque Joseph avait ramené ses deux enfants, la Bible dit qu'on a dit à Joseph que ton père est presque prêt de mourir. Il a pris ses deux enfants, il l'a ramené auprès de son père. Et la Bible dit que Joseph, lorsqu'il s'approcha de son père, Jacob, il était fatigué. Mais la Bible dit que Jacob rassembla toutes ses forces. Écoutez bien. Jacob rassembla toutes ses forces pour bénir les deux enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm. Alléluia. Pourquoi il a commencé à bénir? Pourquoi il avait rassemblé d'abord les forces? Parce qu'il se souvient d'un coup de bienfait de Joseph pour lui. Joseph, vous connaissez l'histoire, qui était parti. Personne ne connaissait là où il était. Dieu avait fait en grâce que cet homme-là soit devenu un homme. Jacob, qui était presque prêt de mourir, s'est tenté des galères, vous connaissez l'histoire. Dans 47, là on parle de... Là où il était avec Joseph, avec Pharaon.
On lui a posé la question, tu avais quel âge, tu as quel âge? Il a dit, j'ai 130 ans de vie, de souffrance. Donc si vous remarquez qu'il n'y avait que 15 ans de vie que Joseph avait passé avec son père, ou Jacob passait avec son fils Joseph, en Égypte, c'était les 15 ans de merveille. C'était à cause de Joseph que son père était dans la joie. Et à cette reconnaissance de son père, il a pu bénir ses enfants avec joie. Il a même déclaré que Joseph, tes enfants, les deux là sont devenus mes enfants à moi. Oublie-les. Donc il rentre dans ma généalogie. Les autres qui vont venir après eux, ce sont tes enfants. Mais les deux sont devenus mes enfants à moi. Pourquoi? Parce qu'on lui avait fait du bien. Et maintenant, 48, là, 49, nous avons lu ici, maintenant, après avoir béni d'abord ses deux fils, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a appelé maintenant ses propres fils. Il a dit, vous tous ici, venez. Je vous dirai tout ce qui va arriver par la suite des temps. Ici, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui font un peu la confusion, qui disent qu'il les a tous bénis d'un coup. Non. Là, je vous ai fait lire pour dire qu'il les a bénis chacun par rapport à son comportement. Alléluia. Chacun à son tour par rapport à son comportement. Il appelle et il a dit, Ruben, viens ici. Écoute-moi, mon fils. Parce que tu avais couché avec ma femme, tu avais souillé ma couche. Écoute, je t'enlève la prééminence. Donc, ça veut dire que je t'enlève les droits de naissance. Il a donné ça à Joseph qui était le fils, le petit frère. Parce que le bienfait de Joseph a pesé sur Jacob. Du coup, ça fait transition encore. Alléluia. Parce que Jacob avait vu. Mais je ne pense pas que Jacob disait ça lorsqu'il était encore en force. L'enfant avait fait ses bêtises. Le père n'avait rien dit. Rien dit, fermez ses yeux. Mais gardez là ses pensées. Alléluia. Si nous lisons dans Matthieu, on ne va pas lire ça. Dans Matthieu 6, 9, là où les disciples étaient avec Jésus-Christ, il dit, mais comment est-ce que toi, quand tu fais des miracles, ça marche d'un coup? Mais nous, on fait des miracles, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Jésus leur a dit, lorsque vous allez prier, commencez à dire d'abord notre Père. Donc, Jésus voulait ramener les gens d'abord à comprendre la relation que nous avons avec Dieu. C'est la relation entre Père et Fils. Ah, tu ne comprends pas. La relation avec Père et Fils. Parce que Jésus voulait faire l'allusion. Parce que des choses spirituelles, c'est compliqué quand on vous explique d'une façon angélique, c'est impossible. En parlant la langue, non. Il voulait vous parler des choses simples. Vous dire que votre relation doit être comme papa et son fils. Je reviens maintenant à Jacob. Le Père et le Fils. Je parle à quelqu'un ce matin. Jacob a dit, écoutez mon fils. Mais si vous lisez, vous allez voir que le mal que son fils avait fait à son père, il n'a jamais dit ça devant comme ça. Il a gardé dans son cœur pendant toutes ces années. Tout ce que tu fais à Dieu, Dieu le voit. Même si regarde sur la scène, il voit des choses que tu fais. Il sent dans le cœur les rats, bien-aimés. Les comportements peuvent déclencher des bénédictions ou des malédictions. Et si ça a déclenché, à cause de cette manifestation, de cet événement qui s'est passé, ça fait des années, ça a déclenché une malédiction dans la vie de Ruben. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Dieu m'a parlé beaucoup à Kinshasa, beaucoup sur ça. Le respect de son père physique doit être aussi le respect de Dieu comme aussi notre papa. Même si Dieu ne dit rien, il voit ce que tu fais dans l'ombre. Un jour, tu auras ta récompense. Ça peut être une bénédiction ou une malédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui, des chrétiens, s'écrient, se disent, des pasteurs, je comprends, je n'ai pas la main de Dieu. Est-ce que tu marches bien devant Dieu là, ton comportement? Apôtre a dit ici les principes, je dis gloire à Dieu. Le principe est de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Mais il y a une condition que tu respectes, ces principes. C'est comme nos papas dans nos maisons. Avant qu'un enfant soit béni par papa, il faut que l'enfant soit obéissant à son père. J'ai prêché dans une église les secrets. C'était à l'église mère. Les secrets de la réussite, c'est ça. On se complique. Moi, depuis que j'ai compris ces choses-là, je ne me complique pas la vie chrétienne. Je ne monte plus ici. Je monte s'il s'agit de monter, de monter à la montagne. À Kinshasa, les gens gênent beaucoup. Montagne Mangengi, ils montent tous les jours, mais il y a toujours. Là-bas, c'est misère. C'est le pays qui prie beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? On prie beaucoup, on monte. Est-ce qu'on respecte les principes de Dieu d'abord? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices qu'on fait. Dieu m'a parlé beaucoup, beaucoup. Même si nous les hommes, Dieu m'a parlé beaucoup à Kinshasa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Vous allez voir que Jacob descend, il bénissait chacun à son tour par rapport au comportement. Il a dit, venez ici, les vieux Simeon, vous devez mettre ici. Les jumeaux. Pourquoi les jumeaux? Parce qu'ils se comportaient ensemble. Ils faisaient les choses ensemble. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ils allaient toujours à deux.
un jour, leur sœur Dina, qui était enceinte, qui était devenue enceinte, qu'on avait engrossée par un homme, les deux, là, les jumeaux, sont partis tuer la personne avec son père, avec tout un village. Jacob, lorsqu'il avait pris ça, il avait pleuré. Alléluia. Il avait pleuré. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Oh, parce que il a engrossé notre fille. Il a dit, ce n'est pas à vous la vengeance, c'est à Dieu. Vous gardez silence. Mais même tes ennemis, il faut que tu gardes silence. Faut laisser la place à Dieu. C'était une action où un être qui avait posé, ça peut être juste parce que leur fille a été engrossée. C'est pas vraiment les termes que je voulais dire. On a abusé avec les soeurs, c'était leur coutume. On abuse avec ça. C'était logique qu'ils fassent ça. Mais leur père, étant l'Esprit de Dieu à nuit, il a dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Et vous allez voir que c'était resté dans le cœur de leur père. Il a gardé ça, ça fait des années. Et là, il les a rappelés. Il a dit, vous de là, le père que vous avez là, ça ne quittera pas vos vies. Des années passées, mais les pères avaient gardé le comportement là. C'est bien, ils avaient agi bien pour bénir, peut-être pour garder, sauvegarder l'image de la famille. Père avait dit, non, ce n'est pas à vous de gérer ça. Moi, je suis votre père, c'est à moi de gérer ça. Quand vous avez fait, ça fait des années, mais le père ce jour-là les a rappelés. Il a dit, vous, la colère ne vous quittera jamais. Et si vous lisez l'Exode 1, vous allez voir que là, on parle de Moïse. Moïse était le fils, le descendant de Lévi. Il était colérique, Moïse. La colère du grand-père Lévi a suivi son petit-fils Moïse. Moïse était colérique. Il te tape, tu meurs. Une tête, tu meurs. Tu ne crois pas? Il était fort colérique. Quelqu'un voulait jouer avec son frère israélite. Il a tapé avec ses mains. L'homme était mort. Ce n'est pas fini. Quand il montait à la montagne, là où Dieu lui avait donné les 10 commandements, cet homme, il est descendu, il a vu Aaron avec Israël faire n'importe quoi. Il s'est énervé encore. Il prend les 10 commandements, il met par terre, ça se casse par la colère. C'était devenu où? D'où vient cette colère? C'est chez son grand-père Lévi. Alléluia. Papa avait déclaré seulement un mot. Et c'est comme là, je suis comme un papa ce matin. Ah, tu ne crois pas? Je suis petit dessin animé, mais je suis ton père. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Tu vas réussir si je prononce sur toi, bien-aimé. Ces jours-là, Jacob était comme un pasteur, aussi comme un Dieu devant ses enfants. Il prononçait et Dieu était obligé de prendre cette parole, de mettre ça en exergue ou en exercice. Tout ce qu'on lit ici-bas sera lié dans les cieux. Et surtout pour quelqu'un qui craint Dieu, Dieu le prend en charge cette parole-là. Il le met en exergue, ça touche ta vie. Il parlait à chacun. Zabulon, viens ici. Toi, tu vas souvent à côté de la mer. Tu aimes Dieu avec de l'eau. Tu aimes les rivières. Il dit, toi, tu vivras à côté de la mer. Et si vous lisez plus loin, lorsque Christ a appelé Matthieu, et pardon, Pierre, il a appelé où? Fleuve des Zabulon. Donc même le nom du fleuve a pris son nom. Parce que Père avait déclaré, c'est parce qu'il voyait seulement l'enfant aimer la pêche. Avec son petit caleçon comme ça, pêche, lingwanda, pêche. Il dit, toi, ta vie, c'est la mer. Pierre était le petit-fils des Zabulon. Parce que son père avait déclaré et ça s'est arrivé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton comportement peut déclencher des choses ce n'est pas la prière, mais c'est ton comportement. Parce que des fois, nous voyons des hypocrites dans les églises. Beaucoup des hypocrites. Ah, shalom, bien-aimé, dans les cœurs, ce n'est pas shalom qu'on voit là. C'est notre personne. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Il dit à Judas, Judas, toi, en toi sortira le Shiloh. Le premier prophète de la Bible, c'est Jacob. Il dit, toi là sortira le Shiloh. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le lion de la tribu de Judas. Et le mot lion, c'est Jacob qui avait commencé à prononcer ça ce jour-là. Judas, tu es un lion. Par rapport à son comportement, le Père a déclenché maintenant, c'est automatiquement Dieu a exaucé par Judas que Christ est sorti, bien-aimé. Le comportement que nous affichons devant Dieu, bien-aimé, ça paye. Nous devons avoir cette relation avec Dieu comme étant pas. Bien-aimé, c'est comme votre Père. Père, je dis bien, c'est comme votre Père. C'est comme votre Père. Demandez à Dieu comme tu demandes à ton Père biologique, mais à une condition que tu marches bien. Alléluia. Le jour que Jacob avait décidé de déclencher, parce qu'il voyait que je suis presque à la fin de vie. Je ne mourrai pas comme ça, c'est béni mes enfants.
comme l'apôtre a dit tout à l'heure, que Dieu ne t'oubliera jamais. C'est impossible. Le Père ne voulait pas mourir sans pour autant déclencher des choses. S'il mourait comme ça, ça n'allait pas être normal. Aucun père fera du mal à son fils, je ne connais même pas. La Bible dit, si vos pères qui sont compliqués, qui sont méchants, à qui vous leur demandez du pain, ils ne vous donneront jamais de pierres. À qui vous leur demandez des poissons, ils ne vous donneront jamais des serpents. À combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux. Mais quand tu souffres, pose-toi la question, est-ce que je me comporte bien avec Dieu? Prier, c'est bien. Je ne suis pas contre la prière. Prier, c'est bien. Mais je parle de notre comportement avec Dieu. Ton cœur, là, Dieu le connaît mieux. Alléluia. Ton cœur, Dieu le connaît mieux. Le principe, c'est quoi? Tout ce que Dieu a mis dans ses commandements. Si on parle de la loi, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements de Moïse, ça, c'est la loi. Mais nous, étant au temps de la grâce, Dieu les a mis en deux. L'amour seulement. Donc, d'abord, un, l'amour. Et l'amour est scindé en deux. L'amour avec Dieu et l'amour avec les autres. C'est ça le commandement de Dieu. L'amour avec Dieu, il faut respecter ses principes. Ce que Dieu n'aime pas, tu ne dois pas le faire. Tout ce que Dieu n'aime pas, tu ne dois pas le faire. Et aussi faire du bien à l'autre. Celui qui n'aime pas son prochain, il n'aime pas son propre corps. Comment tu diras que tu aimes ton corps aussi longtemps que tu n'aimes pas les autres? Ah, est-ce que je parle que ce matin? Je parle même à vous les hommes de Dieu qui me suivent actuellement là. Pourquoi on se déchire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, est-ce que nous servons Dieu ou nous servons maman? Parce que si nous servons tous Dieu, on devait être unis. Chacun a sa grâce, chacun a son temps. Pourquoi il y a des accrochages? Moi ça me fait tellement mal. Comment voulez-vous que Dieu bénisse les églises aujourd'hui? C'est impossible parce qu'on se déchire. Pourquoi? Il n'y a pas l'amour entre nous. Il n'y a rien. Ils ont clair, il n'y a rien. On se déchire. Il y en a qui aiment. Moi, je suis le grand pasteur de la France. Et par rapport à quoi? Le nombre que tu as, c'est comme les talents que Jésus-Christ a fait de nous autres. L'autre, on a fait de combien? L'autre, combien? 5. Pourquoi? Ce n'était pas que l'autre, il est. Non. Par rapport à son niveau de gérance, il peut gérer 2, mais c'est tous égaux. Lui peut gérer 10 parce qu'il peut. Lui, c'est 2. Mais pour, c'est la même chose. Ce n'est pas le nombre qui détermine un grand homme de Dieu. Dieu connaît ton cœur, moi je ne connais pas ça. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse, mais commence d'abord à respecter les principes de Dieu. Dieu t'observe, même si il ne te dit rien, il observe. Mais il y aura un jour, je dis bien un jour, il va s'élever contre toi. Ces jours-là, les enfants étaient étonnés. Hein. Ils ont cru que c'est déjà passé, ça fait des années, qu'on a fait des bêtises et notre papa avait oublié. 130 ans après, papa il s'est mis debout. Ah si, pardon. Toi, il commence à rappeler aux enfants. Et sachez bien qu'il y aura un jugement ces jours-là. Il y a un jugement devant Dieu. Ça sera exactement chacun à son tour. Quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, mais on est des milliards. J'ai dit, mais toi, tu crois que Dieu va se fatiguer? Mais parce que le milliard, Dieu va se fatiguer. Il est capable de nous juger pas dans 2 minutes. Il est capable. Il s'est multiplié à 15 milliards. Dieu, il est 15 milliards. Il fait son travail. Les pensées des hommes ne sont pas comme Dieu. Ce que nous pensons à Dieu, Dieu n'est pas comme nous. On est limité par les. On est limité. Les jugements existent. Mais ces jours-là, ce sera pareil. Comme là. Il sera assis. Il te pose la question, pourquoi tu n'aimes pas ta soeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu, ça fait des années. Ah, ça fait des années, mais moi, je n'oublie jamais. Mais il faut toujours être bien avec les hommes. On ne sait jamais dans la vie. Moi, ce que j'aime pas, moi, ce que j'ai détesté dans ma vie, d'avoir la haine contre quelqu'un, ça, je me combats sur ça. Même mon ennemi, j'ai peur d'avoir la haine contre lui. Dieu peut me bénir toujours par son canal. Là, on ne sait jamais. Dieu peut utiliser même un païen pour te bénir, bien-aimé. C'est le principe de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Nous devons bien aimer Dieu. Est-ce que réellement on aime Dieu? Un pasteur m'a dit une fois en Afrique du Sud, il est parti dans une église. Bon, c'est son frère qui lui avait dit. Ce frère-là, il était de Kinshasa, il est parti en Afrique du Sud pour prier, pour passer sa vie là-bas. Et du coup, il a fréquenté une église. Il arrive comme ça. À la fin du culte, personne ne dit shalom, bonjour. Entre eux, il se parlait à la fin. Mais lui, il faisait des efforts, mais rien ne marchait. Une fois, deux fois, trois fois, il a dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'ils ne m'aiment pas du tout. Je viens, s'ils sont entre eux. Mais je sais, parce que je m'habille mal, je sens mauvais.
Dieu a dit, mais pourquoi tu te poses des questions? Déjà, là, cette église-là, il ne m'aime pas. Là, cette église là-bas, moi, Dieu là-bas, on ne m'aime pas. Et toi, on va t'aimer déjà. Donc Dieu lui-même là-bas, on ne l'aime pas. Dieu n'est même pas là. Il m'a dit, mais il a dit, mais c'est pas grave. Même là-bas, moi, on ne m'aime pas, moi, Dieu et toi. Il y a des églises, des fois, on croit que Dieu, le Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui croient qu'ils ont Dieu, mais Dieu n'est plus là. C'est Ikabod, comme on dit, c'est Ikabod. Ça veut dire que Dieu n'est plus là. Dieu avait commencé avec lui, comme Saoul. Un moment, Dieu s'est retiré, mais l'homme. Vous savez, quand Dieu quitte quelqu'un, c'est la Bible, je vais lire pareil. Même connaissance, j'aurai ça. Même parole, même prophétie. Mais Dieu n'est plus là. Dieu marche qu'avec celui qui marche avec ses principes. Il n'y a pas à négocier. Lorsque David était prêt pour mourir dans 2 Samuel, vous allez voir que cet homme parle de deux rois. Il appelle son fils Salomon. Parce que David avait appris, si vous lisez un roi, chapitre 1, tout ça, vous allez voir que c'était le fils de David qui s'appelait Adonija. Voilà. Cet homme-là, lorsqu'il a appris que son père presque est prêt à mourir, cet homme-là a dit, bon, comme mon père était roi, il est roi, il va mourir. Moi, je vais faire un coup d'état, voilà. Il appelle ses prophètes, ses amis, ses militaires qui collaborent avec lui. Il a dit, nous allons faire déjà notre fête et déjà me proclamer roi d'Israël. Son père n'était pas au courant. Or, son père déjà avait promis à la maman de Salomon que c'est ton fils Salomon qui va devenir roi à ma place. Et lorsque Adonija a préparé ce coup d'état-là, et le prophète Nathan, qui était le prophète qui avait remplacé Samuel, Nathan a dit à la maman de Salomon, mais toi tu es là, tu y rêves. Là-bas, Abomija est en train de préparer son coup d'état pour remplacer ton mari David. Il a dit, vas-y voir ton père, ton mari David, dis-lui tout ça. Et quand tu vas commencer à dire, moi je vais venir appeler, lui dire que oui, effectivement, c'est toi où tu es au courant. Et la maman est partie voir David. Elle a dit, David, mais qu'est-ce qui se passe? Ton fils là-bas, il est en train de festoyer parce qu'il devient roi à ta place. Mais oh, tu avais promis ton fils Salomon. La Bible dit que David s'est énervé. Il a dit, écoute-moi Nathan prophète, appelle le prophète Tchodak, venez vous deux ici, prenez mon fils Salomon, ou agnez-le, déclarez qu'il est roi. Ça s'est passé comme ça. Et au chapitre 2, vous allez voir que cet homme maintenant appelle Salomon maintenant. Il dit, Salomon mon fils, comme tu es là, tu veux devenir roi, écoute maintenant. Pour que tu sois heureux, il faut respecter les principes de Dieu. Il n'a pas dit, bon, venez mon fils, je te laisse des milliards, voilà ma prospérité. Non, il a dit, écoutez mon fils. Chapitre 2 des rois, 1 roi 2. Il a dit, écoutez mon fils, commence d'abord à respecter les commandements de Dieu. Je l'appelle pasteur David. Respecte d'abord les commandements de Dieu et en ce moment-là que tu vas réussir dans ton entreprise. C'est équivalence avec Josué 1:8. Ce livre de la loi ne dit. Alléluia. Il faut lire la parole pour que tu sois erré et que tu réussisses. Tu dois d'abord respecter les principes de Dieu. Je reviens à ce que je dis ce matin, bien-aimé. Ton comportement vis-à-vis de Dieu. Ma soeur, tu peux te cacher devant moi. Mais devant Dieu, c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu peux te cacher devant les hommes, mais Dieu voit ton cœur, bien-aimé. Je répète que Dieu voit ton cœur. Nous devons faire par tous les moyens d'être mis avec les hommes, avec Dieu. Pour que l'Église soit bénie, il faut que nous soyons unis. Chacun a sa grâce. Aujourd'hui, on parle de leadership, des postes. On voit des accrochages. Je dis, mais on va où? On sert Dieu. Comme là, j'ai mon épouse, là, je pouvais déjà préparer mon épouse. Mon épouse déjà devenue pasteur. Non. Je dis, maman, mon épouse, non. Si tu as l'appel de Dieu, c'est Dieu qui va le passer, pas moi. Je ne préparerai jamais ma femme à devenir pasteur. Non, hors de question. Mais si elle a l'appel de Dieu, c'est son problème avec Dieu. Même si, oh, pasteur, tu me bloques à l'église. Moi, je te bloque, mais Dieu. Même si je te bloque, Dieu va t'élever. Alléluia. Même si je te bloque, hein, frère Axel. Bah, je suis là, ça fait un an que je ne prêche pas, pas Didier. Même si tu ne prêches pas ici, il y a des marchés, on peut les prêcher des marchés, non? Les gens n'aiment pas les marchés, j'aime les gens. Bien aimé, vous savez, homme de Dieu. Bien aimé, ça fait peur. C'est un travail dur. Dieu va nous juger plus que vous. Je ne préparerai jamais mon épouse en coulisses pour devenir pasteur. Non, j'ai dit, moi je préparerai une entreprise pour vous. Je laisserai l'héritage chez quoi pour moi. J'ai créé mon entreprise pour mes enfants, pas l'église. C'est l'église de Dieu.
C'est son entreprise. Nous avons retrouvé l'église ici-bas, nous allons les laisser aussi. Il y a ceux qui ont commencé l'église, ils sont passés et nous, chacun à son tour, bien-aimé. C'est l'œuvre de Dieu, mais Dieu veut voir l'amour dans l'œuvre de Dieu partout dans le monde. Les pasteurs, ils nous sont, vous, s'il vous plaît. Pour que le Congo. Je suis au Congo, j'ai vu la souffrance, papa, les Zulu, ils vivent là-bas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On se croyait dans un pays 1932. Un pays démodé, tu vois les motos. On est où? Au Nigeria, je ne sais pas où. Tu vois les poubelles, j'ai dit, mais. Jésus. J'ai dit, mais c'est le pays qui prie beaucoup. 92% des gens qui prient, il n'y a pas la main de Dieu. J'ai dit, parce que les gens ne respectent pas les principes. On prie, mais quand on parle de la sorcellerie, là-bas, ça bat les records. Tu vois, une église remplie de sorciers. J'ai dit, mais c'est pas possible. Les pasteurs là-bas souffrent. On cherche la mort des pasteurs. Des fois, entre les réunions des pasteurs, on met les poisons. Réunion des hommes. J'ai dit, mais comment expliquer ça? Expliquez-moi un peu cette histoire-là. Expliquez-moi ça. Réunion des pasteurs, il y a des poisons. Mais comment expliquer ça? Alléluia. Dieu m'a parlé beaucoup, mais j'ai eu mal. J'ai dit, mais c'est quoi? On est où? Est-ce qu'on sert Dieu ou on sert le diable? La réponse est simple. On sert le diable sans qu'on se rende compte. Mais méfiez-vous aux humains, méfiez-vous aux gens. Oh, mais de Dieu. Non, mais il faut avoir d'abord le discernement. Il faut avoir le Saint-Esprit. Nous sommes au temps de la grâce. Chacun de nous va avoir le discernement de Dieu. Les hommes, s'il vous plaît, il faut avoir. Je vous dis clairement, moi j'ai eu mal. J'ai tout ce que j'ai vécu là-bas. J'ai dit, mais tu vois. J'ai dit, mais c'est quoi? Et tout ce qui passe en Europe, c'est pareil. Les chrétiens, on est où? On sait quoi où? La guerre entre les hommes de Dieu, c'est quoi ça? Il n'y a pas l'amour entre nous. Alléluia. Et comment vous le. Dieu est en train d'assister à un spectacle des hommes de Dieu. C'est un spectacle. J'attends. 20 ans, tu meurs sans être béni. J'attends. Il est temps. Dieu prend son temps. Vous jouez. Jouez avec vos vies. Et le temps passe. Le temps passe. L'autre côté, les païens font des choses. Mais nous, en distraction, le temps passe et tu meurs. Et chacun vient encore. Distraction et tu meurs. Oh, c'est comme ça. Le temps passe, Dieu ne va pas faire quelque chose. Aussi longtemps qu'on ne veut pas à lui, Dieu ne fera rien du tout dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Moi, je tire l'attention de l'église, tous, à commencer par moi. On devrait être unis d'abord. Et j'ai dit, mais unis. Aime ton frère comme tu aimes ton propre corps. Aime ta soeur. Lorsque tu verras ça, le monde saura que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. C'est un point que j'ai toujours fait mon effort. J'ai dit, même à mon entourage, ma femme, ma maison, je dis, tout ce que vous croyez être mes ennemis, ce ne sont pas mes ennemis. Ils sont là. Tout ce que vous croyez que ce sont mes ennemis, c'est pas. Des fois, on se parle. Tu vas te mettre dans un piège pour rien. C'est pas des fois. Moi, j'ai déjà réparé en coulisses. Toi, tu es toujours un ennemi. Je n'ai pas. Ici-bas, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. À moins que eux-mêmes soient mes. Moi, je ne sais même pas s'ils sont mes ennemis. Et vous allez voir que Dieu m'a béni. Oh, pourquoi que lui? Parce que je comprends ces choses-là. J'ai vu d'avoir des ennemis. La Bible dit, vous gardez silence. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Alléluia. Mais ce sont des choses que nous sommes en train de bloquer nos propres vies. Ça déclenche des malédictions dans nos vies. Ton comportement peut engendrer beaucoup de choses. Et dommage, ça touchera même tes enfants. Hey, les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu des clochards, j'ai dit, mais qu'est-ce que ces enfants ont fait? Et si on fait la rétrospection, on va voir comment est-ce que leur père s'est comporté à l'époque. Il tuait des gens, il faisait des choses. Mais là, ça tombe sur les enfants, les pauvres. Pense aussi à tes enfants un jour. Le bienfait que tu fais aujourd'hui, ça tombera sur tes enfants. Et tout ce que tu fais comme mal, comme problème, ça tombera sur tes enfants. Ils vont le payer, ils vont le récolter. Alléluia. Tu veux être dans la joie un jour de voir tes enfants prospérer, commence à obéir au principe de Dieu. Arrange ton cœur. Un chrétien doit avoir un cœur pur, un cœur qui aime. Donc, si ta sœur a un problème, va voir la sœur. Dis, ma soeur, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Arrangez-vous. C'est passé. Ta belle famille t'a fait mal. Vas-y. Maman Bokilo, tu m'as fait mal. Oh mon, pardonne-moi. Même si tu ne te pardonnes pas, Dieu va te pardonner. Toi, tu fais d'abord ton pas. Qui pardonne ou pas, Dieu voit
que tu as fait déjà ton pas. C'est fini. Il ne faut pas garder les problèmes. Déjà, les problèmes, on en a déjà trop. Huissier, paye, faculté. Il y en a déjà trop dans ma main. Ça, déjà, c'est déjà beaucoup déjà. Il faut retenir les enfants, la date de mes enfants, le jour qu'ils sont nés, les anniversaires. Dans ma tête, toujours, ordinateur, les claviers. Encore des problèmes des gens. Déjà, il y en a trop. Les codes de carte blé. Il y en a trop. Je suis chargé dans ma tête. Plus de problèmes, j'ai pas le temps moi, j'ai pas le temps. J'en ai trop, moi j'ai 3-4 blés. Déjà les codes là c'est compliqué. Oh Jésus, il y en a plein. Les jeux que mon bout avait fouillé le foyer dans ma tête. Anniversaire de Kinshasa, ici là, 4 janvier, les fériés, tout ça là. J'en ai déjà trop. Je t'enlève dans mon cœur. Tu n'es pas dans mon cœur. Moi je t'aime, c'est tout. Pourquoi j'ai toujours dit, il m'a fait mal, ce frère-là, j'ai quitté l'église. Tu vas compter des milliards des églises. Reste là, c'est lui qui va fouiller l'église. Chez nous, il y a des sorciers. Écoutez, l'église, c'est un milieu hétérogène. Il y a des sorciers, il y a des voleurs. Ils sont là pour être convertis. Ils vont partir eux-mêmes. Tu as l'esprit de la Bible, dit que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Ils vont fouiller l'esprit qui est en toi. Si toi tu fouilles, c'est que tu n'as pas Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, les sorciers ne les toucheront jamais. Même s'ils sont malades, on ne les touchera jamais. C'est impossible. Parce que, papa, on m'a croqué le cou, mais parce que tu n'as pas Dieu. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même si tu es malade, Dieu intercède pour toi. Aucune puissance de l'Éternel ne touchera à ta vie, ni à tes enfants, parce que tu crains Dieu. Est-ce que je parle à, ce matin, je parle à quelqu'un ce matin? Distraction inutile. L'église est mise dans la distraction totale. On m'a critiqué, pasteur. On m'a critiqué. Mais c'est normal parce que tu es élevé. On nous critique ceux qui sont élevés. Ah ben oui. Celui qui n'a rien, on ne parle pas de lui. On ne parle que de celui qui est élevé. Hey, celui qui est élevé. Bah oui. Ah oui. Pasteur, on m'a critiqué. Il m'a critiqué parce que je suis élevé. On ne critique pas les clochards, non, jamais. On critique Macron, Kabila, Bill Clinton, Constant, je suis un grand. Ben oui. On ne critique pas n'importe quoi. Si on te critique parce que tu es élevé, ils voient en toi une étoile glorieuse. Tu es élevé, bien-aimé. Ce matin, je suis en colère ce matin, bien-aimé. Tu dois être béni, fini la distraction au nom de... Occupe-toi de ta vie, frère. Occupe-toi de ta vie d'abord. Comptez-moi ou pas, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Il a dit, vous gardez silence et moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Pourquoi tu prends la place de Dieu ce matin? Alléluia. Pourquoi tu prends la place de Dieu? Pourquoi? Pour rien, des fois tu passes ton temps. On m'a insulté, pasteur. On m'aime pas. On s'en fout qu'on t'aime pas. Quelqu'un avait dit, les chiens boivent la caravane. Passe! Laisse les gens parler. Toi, occupe-toi de ta vie. Alléluia. Jacob, ce jour-là, il bénissait les enfants vis-à-vis des comportements. Exactement comme Dieu fonctionne, bien-aimé. Tu passes ton temps à la distraction, les jours passent. Là, tu as 50 ans, les jours passent, tu n'as encore rien. Demain 60 ans, les jours passent, tu n'en reverras. Distraction, et tu mourras pauvre. Et Dieu nous a créés pour que nous mourions avec la joie. La Bible dit, les gens comme Moïse, les gens comme Jacob, nos pères, la Bible dit, ils s'est rassasiés de vie et ils s'est reposés. Ils sentaient qu'il y a la mort, je veux me reposer. Mais toi, tu ne vas pas te reposer. Moi, je veux me reposer. Seigneur, maintenant, prends ma vie. Je vis le bonheur, je vis le monde. J'ai goûté au monde. Tu n'as même pas goûté au monde, même pas. Même pas un vélo, tu crées des problèmes. Hein? Même pas un vélo, tu crées des distractions. Pense à ta vie, à l'avenir, bien-aimé. Laisse les gens parler. Moi, j'ai pas le temps. Oh, les hommes de Dieu, même si vous n'aimez pas. Élie disait, Seigneur, je suis resté le seul homme de Dieu. J'ai dit, il y en a encore 7000 là-bas qui ont jamais fléchi les genoux. Dieu te connaît, il n'y a pas un petit ou un grand serviteur. Dieu appelle chacun à sa grâce, chacun à son temps. Je ne suis pas un petit, je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu veux être béni? Commence d'abord à respecter les principes de Dieu.
Les autres, laisse les gens dire, laisse les gens parler. Et moi, je ne me rentrerai jamais dans la distraction totale. Si j'ai un problème, je te fais, tu vois, faut pas Didier, je te vois, tu m'as fait ça, ça, ça. On arrange. Et le temps, on close, on continue la vie. Tu passes ton temps. Tu as beaucoup de gens. Mon ami là, tu as ton ami, ta tante, ton oncle, mais toujours ça pour toi-même. Oh, ma tante m'a fait ça, ma tante même pas. C'est son problème qui ne t'aime pas. Dieu t'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Dernier point, bien-aimé, évitons maintenant l'hypocrisie. Alléluia. Dans l'œuvre, là où il y a des chrétiens, il faut éviter l'hypocrisie. Dis avec moi l'hypocrisie. Comme l'apôtre dit, l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie totale. Un enfant de Dieu ne peut pas être hypocrite. Un enfant de Dieu dit des choses. Il faut être comme des blancs. Nous sommes dans un pays quand même. Il faut que les mots nous enseignent aussi. Un blanc, tu critiques, tu appelles. Oui, apôtre Michel. En fait, oui, parce que Constant. Seul Mado m'avait dit ça pour toi. Un blanc dit, bon, d'accord. Attends, viens, il est là. Mado, viens. Bon, maintenant vous dites là. Apôtre, il m'a dit que toi, tu m'as critiqué. Ça, c'est un blanc. Oh non. Mais nous, les chrétiens, non. On fait seulement par les on dit. On avait dit. On. Et tu appliques parce que on avait dit. On avait dit. Et puis tu n'aimes pas la personne. Tu les hais pour rien. La haine, c'est la sorcellerie. Évitez de mettre la haine dans ton cœur. Dieu voit ça. C'est ton comportement. Dieu voit. Dieu voit ce que tu fais. Tu ne seras jamais béni. Même si Constant ne voit pas, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. La haine, faut l'enlever dans ton cœur, s'il te plaît. Enlève-les. La haine ramène la mort. Les deux enfants, Siméon et Lévi, on a vu ici, c'était la haine contre l'enfant. Ils ont tué. Tu peux devenir. Tu peux devenir un assassin tel que tu es là. La haine peut pousser quelqu'un à prendre une arme et tuer quelqu'un. C'est possible. Je le fais, la haine, c'est la sorcellerie. Tu peux. Combien de gens ont organisé même le braquage contre son frère parce qu'il a la haine contre lui. Mais comme lui, il organise une bande des assassins pour aller tuer quelqu'un. La haine. Un enfant de Dieu ne veut pas avoir la haine à son cœur. Fais l'effort d'enlever la haine à ton cœur. Je dis bien, fais l'effort d'enlever la haine à ton cœur. Fais l'effort d'enlever la haine à ton cœur. Même celui qui t'a fait mal, fais l'effort d'enlever. Il faut l'enlever dans ton cœur. Dieu habite dans nos cœurs. S'il y a la haine, Dieu ne sera pas dans ton cœur. Dieu vit seulement dans les cœurs où il n'y a pas la haine. Même si tu es archipape, si tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas avec toi, mais il y a la haine. Et la haine, c'est qui? C'est de dire à une personne. Tu vis avec lui dans ton cœur. Comment voulez-vous Dieu écoute ta prière? Tu passeras 6 ans de jeûne, de prière, et rien ne va se passer. Mais moi, dès ce jour, je dis, Seigneur, bénis-moi. Il me bénit. Ce n'est pas des longues prières qu'il fait. Ce n'est pas des longues prières. C'est la relation que tu as avec ton papa. Que tu demandes ou pas, tu auras tout ce que ton cœur désire. Que tu parles ou pas, les muets ne parlent pas. Tu nous dis les babas. Juste, il fait ça. Dieu sait qu'il demande l'argent. Dieu sait. Juste ça. Toi, je crois, c'est un fou. Non, il prie. Dieu sait de quoi il s'agit. Jésus. Ce que ton cœur désire, ce n'est pas ce que ton cœur, ta bouche parle, mais ce que ton cœur désire. Mais toi, tu désires la haine, tu vas récolter aussi la haine. Et tu vas devenir, enfin, sorcier. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas le temps de tout ça là. Seigneur, c'est pourquoi il faut durer et être béni. Il faut être béni. Parce que tu vas être un peu à une classe un peu élevée là. Vous savez, quand je suis allé quelque part, je ne dirais pas le nom de la chaîne ici, une grande chaîne de Kinshasa, je suis allé bien aimé. C'est bien de critiquer quand même, hein, mais quand tu vois, tu vas dire, vous critiquez, mais lui fait ses affaires. Un homme qui était ici là, il a fait une grande chaîne, je ne cite pas son nom ici parce que c'est compliqué. Hein, c'est des grands là-bas. Il m'a invité, je suis parti parce qu'il y avait quelque chose à faire avec lui là-bas. Je suis parti, il m'a pris dans son bureau. Il m'a montré toutes les installations, les chaînes, des régies, des plateaux. Il gère 200 personnes. Mais il était ici à Paris, il ne faisait rien. J'ai dit, waouh. Je lui ai dit, c'est facile à critiquer. Hein? Mais vous critiquez, lui, il fait des affaires ici. Ici, on fait des émissions pour lui. Mais je
changer mon langage. Ici, vous critiquez lui, il gère 250 personnes. Tu vois, une grosse parcelle. Il y avait des policiers. Je dis, qui vous suivez le pasteur? Venez. Waouh. Pasteur Constant. Je dis, quel. J'ai profité. Bureau climatisé comme en Europe. Tu vois, son fauteuil, il est assis. Tu dis, waouh. Mais ici, vous le critiquez ici. Là-bas, c'est un grand homme. Si je cite le nom, vous connaissez les personnes là. Même sa chaîne ici, là, je ne veux pas ça. Il n'y a pas de problème parce que là, on est sur le média. J'ai dit, mais waouh. J'ai parlé avec lui. Tu vois les projets. Il ne parle pas avec n'importe qui. Il parle avec des ministres. J'ai dit, mais. Il parle avec des petits. J'ai dit, mais. Bien aimé, il faut changer le langage. Il faut voir des choses autrement. Quittons paix la basse classe, les critiques. On ne lui aime pas. On cherche des postes. Moi, on m'a mis de côté. Mais Dieu va te lever à ton temps. Même si les gens te freinent, Dieu va te lever. Moi, je n'ai pas le temps. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Après, ici, j'ai fait mon travail aussi. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est, on prend le temps et chaque chose. Ah, son temps. J'ai mes enfants. J'ai ma femme. On va aller au McDo. Là, après, je vais aller au McDo avec mes enfants. Parce que mon papa, ça fait une semaine. On n'a pas vu les McDo. Ah, on n'a pas vu les McDo. On va aller tout à l'heure. Là. Mais chacun son temps. Moi, pasteur, l'église. Hé, hey, c'est l'église de Dieu. Tu vas mourir. Alléluia. Je suis à la fin, bien-aimé. Tu veux être béni par Dieu. Comment d'abord à respecter ses principes. Il est ton papa. Ton comportement, il est là en train d'observer. Dieu, c'est un grand observateur. Je dis bien, il est un grand observateur. Et quand il se lève, personne ne peut le faire asseoir. Quand il bénit, personne ne peut bénir, peut bloquer ta vie. Alléluia. Ne crains rien, ma soeur, mon frère. Je suis venu activer, mais à une condition que tu respectes les principes de Dieu, l'amour de Dieu et aussi l'amour des hommes. Que Dieu vous bénisse.